Bonjour, c'est Virginie, and you are watching French Trolley TV, your destination to truly become a little bit French. Last week, I taught you how to pronounce French brands. Today, I'm going to teach you how to pronounce 15 French foods properly. They're usually mispronounced, so I decided to fix it for you. Plus, I will use them in a French sentence. Vous êtes prêts? Bouillabaisse. Bouillabaisse. La bouillabaisse est un plat provençal typique et un des emblèmes de Marseille. Aioli. Aioli. L'aioli est une sorte de mayonnaise faite avec de l'huile d'olive et de l'ail. Coq au vin. Coq au vin. Pour préparer un coq au vin, normalement, il faut utiliser un coq. Mais souvent, on le remplace par du poulet. Confit de canard. Confit de canard. Le confit de canard est une spécialité culinaire du sud-ouest de la France. Foie gras. Foie gras. Le foie gras aussi est typique du sud-ouest de la France. Le foie peut provenir d'une oie ou d'un canard. Salade niçoise. Salade niçoise. Pour préparer une salade niçoise, on utilise des crudités, des haricots verts, des œufs durs, du thon et des anchois. Bœuf bourguignon, bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon est une recette traditionnelle de la Bourgogne. Croque-monsieur, croque-monsieur. Le croque-monsieur est un petit sandwich grillé avec du fromage fondu et du jambon. Gougère. Gougère. Les gougères sont des petites boules de pâte à choux mélangées à du fromage râpé. Croissant. Croissant. Il y a beaucoup de beurre dans un croissant. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Un pain au chocolat est un peu comme un croissant, mais avec une ou deux barres de chocolat à l'intérieur. Haricots verts. Haricots verts. Les salades de haricots verts sont très rafraîchissantes en été. Macaron. Macaron. Un macaron est une petite pâtisserie ronde fabriquée avec de la poudre d'amande, des blancs d'œufs et du sucre. Crème chantilly, crème chantilly. Pour obtenir une crème chantilly, on fouette de la crème fraîche et du sucre. Tarte tatin, tarte tatin. La tarte tatin est une tarte aux pommes renversée. If you want to see all these sentences written down in one place, go to my website frenchtrolley.com under the blog tag. You can watch the video from my site while enjoying the full text simultaneously. If you like this video, you found it helpful, you want more, subscribe. If you missed last week's video, 14 mispronounced French brands, click here. This was your French friend Virginie helping you become a little bit French. Merci beaucoup. Au revoir.